Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans un premier épisode de Formula One 2018. Oui, on est parti, on va essayer de jouer Sky. Alors Sky ici, face à pratiquement que des personnages fragiles qui meurent assez facilement, j'ai bien envie de prendre attaque surprise et on va jouer le deck Ninja. Ninja, c'est le deck déjà que je jouais avant, qui permet d'avoir une grosse mobilité. Hein. Vous gagnez 32% de vitesse durant des simulations, chaque exécution augmente votre vitesse de 60%, puisque maintenant le cap de vitesse ce n'est plus la valeur la plus élevée que vous possédez, mais le cumul de tout. Sachant que la deuxième, la troisième et la quatrième accrue de vitesse sera diminuée par un pourcentage pour éviter que ça soit n'importe quoi. Mais on peut atteindre jusqu'à le cap étant 150% de vitesse de déplacement. Et vous allez voir que si on prend un kill et qu'on utilise dissimulation, on va vraiment aller très vite. Donc là l'objectif va être d'aller se planquer, d'aller voir s'il y a quelqu'un à aller choper facile. Le but, ça sera d'essayer de tuer la liane, je pense. Là, on fait attention parce qu'on avait vu l'Androxus qui était pas loin. Le first blood a été réalisé. On y retourne. Dommage. Il se retourne contre nous, donc attention, on n'a pas vu beaucoup de vitesse augmenter là. Donc faut qu'on fasse attention. On attend, on est patient. On cherche les adversaires, on sait pas trop où ils sont tous en haut en fait. Ah voilà, on a la crue du kill. Vous voyez à quelle vitesse on se déplace là? Quand on rentre dans l'écran de fumée, on gagne encore en mobilité. Et quand on appuie sur F, on gagne encore en mobilité. Regardez la vitesse qu'on va là. Et boum, un kill de plus. De nouveau le bonus. Et on va donc de nouveau hyper vite. C'est n'importe quoi. Là, la vitesse où on se déplace. C'est bon, on sécurise un kill. La liane. Hop, on sécurise encore un kill, on rentre là-dedans. On attend qu'il retombe. Et j'arrive pas à le tuer. Boum. Bon, on est mort. C'est parti. Ah, c'est marrant quand même. C'est quand même assez marrant. On va voir à quelle vitesse on est capable de se déplacer avec ce perso. Merde, on a pris très cher là. Faites attention à pas mourir. Oh, il m'a tué. Non mais c'est quoi ce... Il est loin de moi, non? Oh là là, il est loin de moi quand même. Fais chier. Ah, il a régène avec récupération. C'est parti. 7, killing spree, 6, 5, 4, 3, 2. Pas vraiment lui que je voulais frapper. Dommage. Et c'est bon, on survivra. On va prendre un côté risé quand même, ça va contrer un petit peu le buck.
Et bouille, salut, à l'année prochaine. Non, mais c'est vrai que si on compare avec le Genos, on va plus vite que le Genos. On va vite, hein. Je suis Michael Schumacher. C'est parti. Ouais, ça va super vite. Bon, après, c'est un peu un deck troll, hein, parce que ça, c'est pas la priorité pour une Sky en général. Hein. Peut-être Laurent, on peut peut-être l'acheter en deuxième. On part sur un côté risé, puis en deuxième, on part sur un... sur l'agile, mais bon. Salut mon gars. Allez Becca. On l'a eu. Autant le tuer vu qu'il se laisse faire. Boum. Salut. Je suis déjà là. Je suis parti. Merde, elle est déjà morte. Ah bah, j'aurais bien voulu récupérer le kill. Salut. Il a ce contrôle pour vous. Yeah. My special touch. Non. Non. Il m'a vu. Zut alors. Je pensais être invisible. Ah, Illuminette, la liane nous aime pas beaucoup. C'est parti. Bah, allez, Illuminette, à la vitesse où elle sort de la zone où tu la vois. Salut. Il va mourir. On lui a mis le maximum de dégâts qu'on pouvait. Je me suis dit, je suis sûr que si je réapparais devant lui, il va me foncer dessus. Bon, on a bien fait. Mais il est mort, donc c'est pas grave. C'est pas grave. J'arrive. Sûr que tu voulais mon cul toi. Bien joué, sacré burst. Je comprends pas trop avec les deux drogos là. Hey. Vous Formula 1 2018. Salut, nounou, au revoir. Boum. Salut. Il me cherche, il me trouve pas. Salut. 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 Hop là. Alien. Elle nous aime tellement, Alien. Non. Bah ça c'est pas une bonne idée de venir là. Salut. Ouais, j'ai dit pas en forêt quand même. Putain, on a tellement envie de faire. Agile ou Agile 3? Allez, Agile 3. Agile 3 les gars. Je sais pas si on cap, je pense pas qu'on puisse caper 150%. Je pense pas qu'on cap. Je pense pas qu'on est à la vitesse maximum.
On va vite, c'est sûr. Bon. Là, c'est dommage, j'ai pas eu mon bonus de 60% parce que c'est pas moi qui l'ai tué. Et bon, je suis encore rien. Et boum! Et regardez, même au ralenti, on a l'impression qu'on va à la vitesse normale! Point spawning in 15 seconds. Yes. Allez go. Boum boum. Est-ce que je vais pas plus vite à pied? Eh hey, pas loin. Boum, salut, à l'année prochaine, comment vous allez? Boum, boum. Oui, Bug, tu me cherches toujours? Salut. Je suis trop rapide pour vous, je suis irrattrapable, je suis Super Sky. Et boum. Come and get me. Boom, 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 boom. Merci, mon petit Genos. Boom. Victory. Et bah, c'était marrant. C'était marrant, c'est pas visé. Bah alors, un mec qui s'est bien visé avec Sky, il va s'amuser. Il va s'amuser et on va vraiment avoir l'impression que c'est n'importe quoi. La vitesse du personnage, quoi. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, ils ont nerfé la mobilité des flancs pour ensuite, il y a quelques semaines, quelques mois, réaugmenter quasiment tous les flancs au niveau burst en fait. Mais là, ils augmentent la mobilité de tout le monde. Enfin, tout le monde. De surtout de Sky. GG Wellplay. C'était fun. On a quand même fait 51 000 de dégâts. C'est pas mal. Avec l'attaque surprise. Alors, je pense que l'aspect comme ça, c'est plutôt l'aspect poison. C'est... Tu mets ton truc de poison. Tu repars. Hop, tu remets ton truc de poison. Tu remets ton truc de poison. Ça peut vraiment être chiant. Ça fait retirer 33% des points de vie à chaque fois. Et sur les maps où tu peux aller te cacher, c'est très fort. Parce que là, en fait, on va trop vite. On va trop vite. Donc, Drogoz, adverse, il sait pas où on est. On passe Fufu, mais pendant très peu de temps avec l'écran de fumée. Mais vu qu'on se déplace de 10 mètres en une seconde, bah en fait, avant, quand tu balançais l'écran de fumée, bah, tu balances le tir où elle a mis l'écran de fumée et puis tu sky. Sauf que là, il y a tellement de mobilité que si vous arrivez à avoir le fameux reset, bon, ça a toujours été une bonne vitesse de déplacement, hein, de toute façon, ce reset-là. Chaque exécution augmente votre vitesse de 60%. Mais en plus, vous avez le bonus de l'écran de fumée, etc. Vous avez le bonus de dissimulation. Alors, c'est divisé à chaque fois. Hein. Ça doit être un truc comme 25%, peut-être, 20%. Ça doit être un truc comme 7-8%. Mais bon, ça se cumule. Hein. Ça finit par être 90%. Et avec Agile, à mon avis, on monte à pratiquement 100%. Mais vous voyez, on capte pas, hein. Caper la vitesse de déplacement, c'est 150%, on peut pas en fait. On peut pas, mais peut-être qu'il va y avoir des champions, peut-être qu'ils ont changé ce truc avec le Diminishing Return pour faire que les certains champions vont les prochains, ils vont donner de la mobilité à leurs alliés. Parce que oui, il y a déjà des sorts qui donnent un petit peu de mobilité.
Mais c'est pas forcément hyper transcendant. Je crois qu'il y a Torval qui donne de la mobilité. Il y a Pip aussi qui peut en donner un petit peu, je crois. Enfin bref, qui fait qu'on n'atteindra jamais le cap de 150. Mais bon, quand t'es à 100, c'est déjà très rapide. C'est déjà très 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 rapide. Bon, ouais, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur ce nouveau Formula One Paladin 2018. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez que ça reste dans le jeu, si vous aimez ce côté un petit peu, tout le monde va pouvoir aller beaucoup plus vite, hein. Finalement, la mobilité, elle est donnée à tout le monde peut prendre Agile dans pratiquement... Pas tous les persos, mais dans beaucoup de persos, il y a des sorts qui permettent d'améliorer cette vitesse de déplacement. Forcément, déjà, commencez à réfléchir quels sont les persos qui ont les sorts qui peuvent donner de la mobilité en permanence et qui sont relativement forts et qui montent à au moins 40, 50, 60. Bah, moi, j'ai vu que Sky pour le moment, mais je ne connais pas toutes les cartes du jeu. Mais c'est vrai que Sky est peut-être le personnage qu'en profite le... Plus, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à faire un partage, ça m'aide le plus, et à poser un commentaire. Merci à vous, merci encore, et à plus tard.